Et salut à tous les amis, c'est Momfou et aujourd'hui une nouvelle petite vidéo dans laquelle je pense qu'elle va vous faire plaisir, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les guides des nouveaux défis sur Fortnite Battle Royale. Mais avant de commencer la vidéo, voilà, si t'es confiné, t'es chez toi, je pense que tu n'as plus tellement de dire « Oh je peux pas m'abonner Momfou, j'ai pas trop le temps, nani nanana ». Non 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 non, t'es confiné, c'est-à-dire que tu restes chez toi, tu as rien trop à faire. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça ferait tellement plaisir, 5000 abonnés bientôt. Donc je compte sur vous. Merci à tous ceux qui le feront. Si vous savez que ça porte, ça fait tellement plaisir, voilà, des abonnements de tous les jours, avoir même des petits commentaires gentils, même des commentaires méchants, ça fait plaisir, tu vois. C'est-à-dire que bah, la personne, au final, prend son temps pour t'écrire un petit commentaire. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Bien sûr, gentil, hein, pas méchant. Hein. Donc, voilà, aujourd'hui, petit guide des nouveaux défis sur Fortnite. Comme vous le savez, la semaine 7 est arrivée sur Fortnite. Bien sûr, je parle que de la semaine 7. Les défis Deep Pool ne sont pas encore arrivés. Je vais bien m'exprimer. Parce que ça, c'est demain, comme je vais vous expliquer dans la vidéo, d'ailleurs, qui a fait pas mal de vues. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Et ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Donc, où je vous dis comment faire les défis de la semaine 7. Et en plus, ben, demain, on va encore trier des vidéos. Ça fait tellement plaisir quand tu as du boulot à faire sur Fortnite, quand tu as de nouveaux défis à faire, des nouvelles vidéos et tout ça. Donc, ça fait plaisir. Donc là, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, j'arrive directement dans les tableaux des défis. Donc, les amis, le premier défi à faire, c'est fouiller des coffres aux bases d'espionnage. Bien sûr, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a même pas, allez, il y a moins de 38 minutes, où je vous montre comment réaliser ce défi assez facilement, assez rapide. Ensuite, les amis, on va directement sur le deuxième, attirer un joueur ou des acolytes. Alors, c'est attirer un joueur ou un acolyte au fusil à harpon. C'est ça, harpon. Donc, en gros, vous prenez des petits pistolets harpon, là, et vous niquez le gars qui est en face de vous. Comme ça, il va venir vers vous et vous aurez validé le défi. Voilà, voilà, comme ça, ça franchement, c'est assez facile. Ensuite, les amis, le troisième défi. Donc là, c'est là, s'échapper d'une chambre de forte. Donc, s'échapper d'une chambre de forte, parce que vous savez, hein, en utilisant un passage secret. Donc, en gros, là, par contre, je sais où c'est. Moi, je vous conseille, c'est d'aller à l'agence. À l'agence, des fois, il n'y a pas tellement de monde. En ce moment, tout le monde est parti pour faire les défis. À l'agence, il y a un coffre-fort, vous rentrez dedans. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, dedans, je crois qu'il y a une cabine. Mais à l'agence, je suis pas sûr. Par contre, qu'est-ce que j'en suis sûr certain. C'est dans le yacht, il y a sur une cabine et le requin, donc aller vers là. Là, à l'agence, je m'en rappelle plus. Normalement, il y en a une, mais je m'en rappelle plus. Et la grotte, sur, il y en a une. Donc, je vous conseille d'aller dans les trois là, comme ça au moins. Voilà, donc moi, je vous conseille la grotte, le requin et le truc là qui est barré juste en haut. Je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est barré, mais bon, voilà. Donc ensuite, quatrième défi, on a ramasser sur le terrain. Ah oui, donc là, on doit ramasser de la nourriture sur le terrain de Wally Road. Donc là, en gros, ça, c'est de la nouvelle bouffe. Par contre, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est qu'il y a à manger. Je crois que c'est les nouveaux trucs qu'ils ont ajoutés, les genres de gros trucs, les gros pots là de miel ou je sais pas quoi là. Donc dites-moi en commentaire si vous savez ou pas. Donc bah après, c'est facile, hein. Vous allez là, vous allez sur le terrain, vous mangez et puis voilà quoi. Bien sûr, attention, hein, 5 fruits et légumes par jour. Donc on ne mange pas trop de trucs sucrés. Hein. Ensuite, se cacher dans un carton trompeur à l'usine de boîte. Donc ça, c'est assez facile. L'usine de boîte, elle est vers là, il me semble. Si je dis pas comme de conneries. Après, à l'usine de boîte, je veux dire, franchement, des boîtes, il y en a partout. Dans toute la map, de toute façon, il y a au moins il y a plusieurs cartons. Donc vous prenez un carton, vous vous mettez dedans. Et voilà, quoi, c'est validé. Comme ça, on n'en parle plus. Ensuite, 75 unités de chaque de matériaux en moins de 60 secondes. Bon, ça, c'est assez facile. Par contre, il faut trouver les bons endroits où il y a du matériau, quoi. Bon, après, je trouve que c'est pas non plus hyper dur. Récolter 75 unités de chaque matériau. Ah oui, de chaque. Ah oui, là, par contre, ça se complique un petit peu. Après, moi, je vous conseille, c'est directement d'aller, par exemple, ici. Vous prenez la ferraille, il y a de la brique et il y a du bois. Après, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer où il y a possibilité de faire ça très rapidement. À vous de voir. Donc voilà, je pense que pour les défis, eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas d'autres défis. Ah, il y a une deuxième page. Ah oui, donc là, atterrir un joueur. Ah, bah, ça, c'est bon. Des ravitaillements de l'ombre utilisés avec des explosifs. Bon, ça c'est mes anciens défis à faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Est-ce que les défis vous a servi? Est-ce que ça vous a pas servi? Donc voilà. Et demain, soyez
tout cela sur la chaîne YouTube pour vous montrer les défis qu'il a réalisé. Donc je préfère que vous allez venir voir moi qu'un autre, hein, je pense que vous comprenez. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir demain pour voir tous les défis que j'aurai fait sur la chaîne YouTube. J'espère que je serai l'un des premiers à faire les défis, comme ça au moins on aura un petit peu plus de vues, donc voilà. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, et aussi si vous voulez participer, faire un petit don pour la recherche pour le vaccin, tout ça, avec le confinement et tout qu'on aura machin. Je pense que vous savez qu'est-ce que je veux parler, parce que si on parle de ça, bon, ça sera démonétisé ou ban. Donc voilà. Donc je vous conseille, bah voilà, si vous voulez faire 1€ ou 2€, allez dans le lien, le lien où vous pouvez dire directement donner ce que vous voulez. Voilà, moi je garde rien du tout, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. C'est juste pour aider. Moi j'ai aussi fait un petit don, d'ailleurs j'en ferai encore un et je vous montrerai directement en vidéo. Bon, des fois c'est 2-3€, c'est pas énorme, mais voilà, ça peut aider. Et si plusieurs personnes font ça, et ben ça aidera encore plus. Je vous dis ciao, portez-vous bien, bye.